En 2013, le Cameroun a lancé le programme Agropole, un projet économique d'aménagement du territoire, ce qui a incité plusieurs jeunes à se tourner vers l'agriculture, à l'instar de Stéphane, 25 ans, qui s'est lancé dans la production de plants de poivriers. Reportage de notre correspondante Viviane Bocken. À 25 ans, Stéphane Fauting a décidé de laisser tomber ses études pour se consacrer à la terre. Pour son épanouissement en tant que jeune agriculteur, il a choisi de se lancer dans la production de plants de poivrier, un secteur tout au plus complexe et qui connaît une vraie concurrence. À mi-parcours de sa première phase, Stéphane doit rencontrer des potentiels investisseurs du Fonds international de développement agricole. Oui, j'ai commencé cette activité, ça fait déjà pratiquement 4 mois. Bon, compte tenu de la variété en question, c'est une variété qui est un peu plus accélérée. Beaucoup de gens sont même étonnés que, mais habituellement, c'est que c'est à partir de 7 à 8 mois que les plants de poivriers sont prêts à planter. Mais déjà ici chez moi, on peut trouver déjà les plants prêts à planter. Donc c'est une preuve déjà que les variétés sont différentes de ce que d'autres producteurs ont l'habitude d'utiliser dans les plantations. Depuis 4 mois, Stéphane a bénéficié de son premier financement du programme de l'entrepreneuriat agricole PAJUD. Des ressources qui lui permettront de réaliser dans les prochains mois son premier chiffre d'affaires à hauteur de 10 millions de francs CFA. Ceci en commercialisant ses 10 000 premiers plants de poivriers sortis de terre. Bon, mes ambitions déjà, c'est de permettre aux producteurs, puisque la majorité des producteurs se découragent dans la production de poivre parce que ils produisent, mais ils n'ont pas de rendement à l'annuel. Bon, déjà de permettre aux producteurs de booster les rendements à l'annuel afin que la production de poivre soit un peu plus commercialisé sur le plan international. Malgré la détermination du jeune Stéphane de s'imposer localement dans la production des plants de poivriers, il reste notamment confronté à d'énormes difficultés liées à l'accès au financement par les microfinances.